Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade olympique de Berlin, où a lieu ce soir, vous le savez, un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Match à rejouer entre le champion d'Allemagne, le Mönchengladbach, Borussia de Mönchengladbach, que vous voyez ici en maillot blanc, et le champion d'Italie, l'Inter de Milan, que vous allez découvrir sur ce plan large du réalisateur allemand. Une ambiance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. On se croirait le jour de la finale de la Coupe du Monde à Mexico. Près de 100 000 Allemands sont venus assister à cette rencontre, alors que vous voyez s'inscrire sur votre écran la composition de l'équipe de l'Inter de Milan, avec Bordan dans les buts, Oriali, Facchetti, Bellucci, Giubertoni, Burnic, Gio, Bellin, Boninsegna, Mazzola et Frustaluppi. Deux absents dans cette équipe, Bertini qui est suspendu pour 3 matchs. Il purge ce soir d'ailleurs son dernier match, suspendu pour s'être mal conduit au cours d'un match de Coupe d'Europe entre l'Inter et l'AEK d'Athènes, et Corso qui lui est suspendu pour tous les matchs internationaux de la saison, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Borussia de Mönchengladbach, voici cette équipe, et surveillez bien le numéro 10, Netzer. Toute l'Allemagne aura les yeux sur lui ce soir, toute l'Allemagne téléspectatrice, et les 100 000 spectateurs du stade olympique de Berlin. Netzer, c'est un des grands joueurs de cette équipe, avec le numéro 2, Fox, que vous aviez d'ailleurs vu, jouer au Mexique lors de la dernière Coupe du Monde. Netzer, Gunther Netzer, capitaine de la formation allemande, il porte le numéro 10. L'équipe du Borussia de Mönchengladbach jouera à droite en première mi-temps. L'Inter de Milan jouera donc à gauche, maillot sombre. L'arbitre de ce match, M. Taylor, que vous connaissez bien. Il arbitra l'an dernier la finale de la Coupe d'Europe entre le Panathinaikos d'Athènes et l'Ajax d'Amsterdam. Et il était en France récemment pour le match France-Bulgarie. Mazzola, capitaine de l'Inter de Milan. Le match est maintenant commencé. Je vous rappelle, le champion d'Allemagne, maillot blanc, à droite de votre écran. Vous connaissez sans doute l'histoire de ce match. C'est la troisième fois que les deux équipes se rencontrent. La première fois, les Allemands l'avaient emporté sur leur terrain par 7-1. Et le match avait été annulé. Première balle pour le gardien de la formation allemande, Klipp. Le match avait été annulé à la suite de la blessure de Boninsegna, qui avait été atteint par un projectile lancé par un supporter allemand, et les Allemands ont payé d'ailleurs très cher ce geste inconsidéré de leurs supporters, puisqu'ils sont obligés de rejouer ce soir. Le match retour a déjà été joué à Milan il y a 3 semaines, et là les Milanais ont pris leur revanche 4-2, mais les 2 buts marqués par les Allemands en Italie vont sans doute peser lourd dans la balance ce soir, car vous le savez, en cas d'égalité à l'issue des matchs aller-retour en Coupe d'Europe, les buts marqués en terre étrangère comptent double. Premier coup franc de la partie, qui va être sans doute tiré par le capitaine du Borussia, Günther Netzer, que vous voyez ici, un des plus grands joueurs du monde, avec Oberhard et Beckenbauer. C'est l'idole du public allemand. Coup franc tiré du pied droit avec une balle à effet. La balle est toujours pour l'attaque allemande, et le premier corner de la partie concédé par la défense de l'Inter. Netzer, vous voyez, fait tout dans cette équipe, il est tiré le coup franc, il va maintenant tirer le premier corner pour son équipe. Netzer aurait dû jouer en Coupe du Monde au Mexique, mais il avait été blessé. Et je pense que vous allez pouvoir ce soir découvrir l'immense talent de ce joueur de 27 ans, très solide, 1m83 pour 80 kg. Corner tiré du pied droit avec une balle épée, dégagé du point par le jeune gardien Bordon. Il y avait d'ailleurs une irrégularité sur cette action. Le juge de ligne, qui est de l'autre côté, que vous avez en face de vous, avait levé son drapeau. Il y avait hors-jeu. Kulik a essayé de se débarrasser de Doriali et de Facchetti. Une touche pour les champions d'Italie, joué par Facchetti, qui n'est pas le capitaine de son équipe, c'est Mazzola. Facchetti est le capitaine de l'équipe nationale italienne, c'est le capitaine de l'équipe au Mexique. Long dégagement de la défense de l'Inter. Silov, numéro 4, a dégagé.
Utile de vous dire que cette équipe de l'Inter va pratiquer ce soir un jeu typiquement italien, c'est-à-dire ultra défensif. Je rappelle que l'équipe de Mazzola a remporté le match retour 4-2 à Milan et que cette équipe espère bien se qualifier. Netzer, bonne talonnade pour Fox, Bertie Fox numéro 2, que vous verrez sans doute beaucoup ce soir. C'est un des meilleurs arrières du monde. Netzer, bonne déviation. Wimmer qui avait été serré de très près, un peu trop près. Le numéro 11, Staluppi. Un nouveau coup franc pour les champions d'Allemagne tiré par le capitaine Netzer. Et nouveau corner concédé par Staluppi. C'est le deuxième en moins de 5 minutes pour les champions d'Allemagne. 4-2, il faudrait donc que les Allemands gagnent ce soir par 2 buts d'écart pour se qualifier en raison toujours de ce règlement qui veut que les buts marqués en terre étrangère comptent double en Coupe d'Europe. Le corner, le deuxième, est tiré toujours par le capitaine Netzer. Oh, pas l'effet ! Très bien tiré ce corner de l'intérieur du pied avec une trajectoire courbe. Un joueur très fin, c'est Netzer. Une des premières attaques du Inter. Gio, l'ailier droit, va essayer de centrer, voilà qui est fait. Une tête de Facchetti. Oh, c'était dangereux là pour les champions d'Allemagne. Facchetti qui était venu appuyer ses attaquants et qui a failli surprendre la défense et le gardien Cliff. Lefebvre, le numéro 11, qui est un international danois, qui vient d'être bousculé, mais c'est un coup franc justement accordé d'ailleurs aux Italiens, car c'était le joueur allemand qui avait été irrégulier sur cette action. Mazzola, à la limite des 16 mètres, a pu intercepter la balle que lui avait adressée Burnic. Facchetti, très avancé en position d'ailier gauche. Müller, à confondre avec Gert, le joueur du Bayern de Munich. Celui-ci s'appelle Ludwig. Longue balle. Netzer, l'organisateur, le régulateur, le stratège de l'équipe de Mönchengladbach, qui a donné une bonne balle pour Wimmer. Interception des Milanais par Mazzola. Qui lance Boninsegna. Boninsegna qui sera sifflé, je peux vous le dire tout de suite, pendant 1h30, pendant tout le match. Boninsegna a été sifflé à son entrée sur le terrain, comme jamais sans doute il avait été sifflé. Je vous rappelle que c'est un peu Boninsegna qui a obligé les Allemands à rejouer ce soir. Boninsegna qui avait été blessé. Voilà là une explication sévère entre Henkens. L'avant-centre allemand et la défense de l'Inter. Coup franc tiré par Bellucci. Les Italiens font un bon début de match. Ils sont très dangereux ici. Tir. Passe à côté, légèrement à droite, début. C'est un tir de Oriali. Un joueur reste au sol. Un joueur italien, c'est Gio. L'arbitre n'a pas arrêté le match. Un joueur italien est au sol maintenant depuis 30 secondes. Netzer, prise avec Bedin. Une nouvelle intervention de M. Taylor, l'arbitre britannique. Gio, l'ailier, est toujours au sol, mais il se relève lentement. Les Allemands le sifflent copieusement.
Les Allemands qui n'ont pas pardonné à Boninsegna d'être restés très longtemps inanimés, trop longtemps pour certains au cours du premier match. Toujours est-il qu'après la blessure de Boninsegna, qui survint alors que les Allemands menaient par 2-1, après cette blessure, l'Inter sombra et encaissa 5 nouveaux buts étant battu 7-1, mais le match, je vous le répète, avait été annulé. Boninsegna sifflait, Boninsegna aux prises avec Müller. Coup franc. Là, Boninsegna a été serré d'un peu près, de trop près. Monsieur Taylor était très bien placé. Monsieur Taylor sait qu'il va avoir fort à faire ce soir. Ce match est explosif. C'est un peu une finale avant la lettre. Borussia de Mönchengladbach et Inter de Milan. C'est une belle affiche, très belle affiche. Longue balle de Netzer. Pour son camarade Wimmer qui a été bousculé. Mais c'est une touche. On joue depuis 10 minutes maintenant ici à Berlin. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Faute sur le capitaine de Mönchengladbach, Netzer. Nouveau coup franc. Situé à 25 mètres environ au début de Bordeaux. Bien tiré. Reprise manquée. Alors que la défense milanaise était prise de vitesse, c'était une reprise de l'ailier gauche Lefebvre. Fock, numéro 2, a essayé de donner à Henkens. Müller, Netzer, serré de très près, vous le voyez, par Bedin. Encore Ludwig Müller. Un contre de Frust à Lupi. Ah, les contacts sont sévères. Bonne intervention de Bonhof. Demi-centre de l'équipe allemande. Bonhof toujours. Serre derrière lui Wimmer. 25 mètres de Borden. Et puis Müller. Centre-tir qui ne peut inquiéter Borden. Qui passe nettement au-dessus. Je vous ai dit que ce match était un peu une finale avant la lettre et les pays de l'Eurovision ne s'y sont pas trompés puisque plusieurs centaines de millions de téléspectateurs suivent ce match ce soir en direct, en Italie bien sûr, en Allemagne aussi. Et beaucoup de spectateurs allemands et de téléspectateurs rêvent secrètement d'une revanche, non pas d'une revanche entre l'Inter et Mönchengladbach, mais d'une revanche tout simplement entre l'Italie et l'Allemagne. Souvenez-vous qu'au Mexique, lors de la dernière Coupe du Monde, encore un accrochage sur Netzer. Lors de la dernière Coupe du Monde, en demi-finale, l'Italie avait éliminé l'Allemagne à l'issue d'un match que vous n'avez sans doute pas oublié. 4-3 après prolongation. Encore un coup franc, rapidement tiré. Silov, qui était incertain mais qui tient sa place, il était blessé. Le voici Silov. Bon coup de pied. Netzer. Quel contrôle, c'est Netzer. Encore lui, cette fois il se fait prendre la balle par le capitaine de la formation italienne, Sandro Mazzola. Boninsegna, contre-attaque de Fox, de Verdi Fox pour l'Allemagne, pour Mönchengladbach. Verdi Fox, aux prises avec Mazzola, réussit à l'éviter et est bousculé par Frust à Lupi.
touche par Facchetti. Le terrain est quelque peu glissant. Il a plu hier sur Berlin et un brouillard très épais a noyé toute la journée l'ancienne capitale. À 3h30, il faisait nuit aujourd'hui à Berlin. Mais la pelouse est en excellent état. Bonne insegna. Quand vous entendez des sifflets montés du stade olympique de Berlin, vous pouvez être certain que c'est Bonne insegna qui a la balle. Netzer. Le faible, la balle est sortie. 14 minutes de jeu, toujours 0-0. Je vous rappelle le score du match retour, car le match retour a bien eu lieu, 4-2 en faveur de l'équipe italienne. Qui attaque ici par Bellucci. Bellucci en puissant avant-centre, pousse un peu trop sa balle, contre-attaque des Allemands. Lefebvre. Ailier gauche qui est maintenant pris son avant-centre, bousculé sous les yeux de l'arbitre, et je pense que cette fois il va y avoir un avertissement. Voilà qui est fait. Monsieur Faust Aloupi, un des vétérans de cette équipe de l'Inter, 31 ans, qui joua jadis à la Sampdoria de Gênes. Monsieur Faust Aloupi, ne recommencez pas car sinon on vous rendra au vestiaire. Coup franc. Trentaine de mètres, début gardé par le jeune Bordone qui n'a que 20 ans, le gardien de l'Inter, et coup franc bien sûr tiré par le stratège Netzer. Balle brossée de l'intérieur du pied. Et qui sort en sortie de but, ça ne donne rien, Bordone va pouvoir dégager. Bordone qui est le remplaçant de Vieri dans les buts de l'Inter. Et Bordone qui n'a pas été très heureux samedi dernier au cours du derby Inter contre Milan AC, remporté par Milan 3-2. Silo. Les Allemands attaquent de tous les côtés, ils n'ont pas encore trouvé la faille au milieu de cette super défense italienne, bien organisée. Silo. Le jeune Danner a été bousculé régulièrement par Sandro Mazzola à la limite, sur la ligne même des 16 mètres. Monsieur Taylor est seul juge, il accorde pénalty pour l'équipe de Mönchengladbach après un quart d'heure de jeu. Qui va tirer ce pénalty? Je pense que c'est Silo, le solide défenseur. Oui, c'est Silo. 11 mètres début de Bordone, c'est prêt. 2,44 m de hauteur, je vous le rappelle, la hauteur début. 7,32 m de largeur, c'est prêt, vous savez, 11 mètres. Non. Très bon attaque du gardien, Bordone. Silov a tiré vraiment du côté de Bordone, qui avait bien anticipé, qui a plongé du bon côté. À la 17e minute, là, les Allemands ont laissé passer une occasion en or là, d'ouvrir la marque. Penalty manqué par Silov. Alors Silov va sans doute s'en mordre les doigts, rater un penalty dans un match avec un tel enjeu. En début de match, c'est impardonnable, mais ce sont des choses qui arrivent.
Vous savez, il faut avoir beaucoup de sang-froid et jouer avec beaucoup de calme, des nerfs d'acier pour jouer ce soir à Berlin devant 100 000 spectateurs déchaînés. Pourtant, Silov avait tout le stade pour lui. Sans doute pour ça, un peu nerveux. En tout cas, très bon réflexe du jeune Bordon. Toujours l'équipe allemande en attaque. Il y avait un hors-jeu signalé par le juge de ligne. Et il y avait surtout un coup franc au départ, oui. Le juge de ligne qui est en bas, lui, a levé aussi son drapeau alors que c'était une action qui ne le concernait pas. Discussion entre les joueurs italiens et le juge de ligne. Coup franc tiré à 18 mètres environ par Letzer. Oh, reprise de la tête fantastique qui heurte la barre transversale de Bordon. Encore une occasion pour les Allemands et c'est l'ailier gauche Lefebvre qui avait repris cette balle de la tête. Vous voyez cette action, regardez comme la balle a été brossée à l'intérieur du pied par Netzer. Lefebvre bien placé car la balle... Eh oui, c'est dommage. Elle vient frapper violemment l'angle droit des buts de Bordon qui était bien battu. Les Allemands ne se découragent pas, repartent à l'attaque. Cette fois, c'est Wimmer qui a été bousculé, mais régulièrement. C'est même le joueur italien qui a été légèrement touché au bras gauche sur cette action. Bordon va pouvoir dégager. À moins que ce ne soit Riali. Riali qui était légèrement touché à l'avant-bras. Netzer, bousculé alors qu'il s'apprêtait à tirer. Nouveau coup franc. Je crois que c'est le 10e coup franc sifflé par M. Taylor depuis le début de la rencontre alors qu'on joue depuis 21 minutes. Les deux capitaines, Mazzola à gauche. Mazzola qui discute avec M. Taylor. Les joueurs italiens parlent beaucoup. Et Netzer qui va tirer ce coup franc. Netzer, bien placé, une vingtaine de mètres des buts de Bordon. Et bel arrêt de Bordon. Vous voyez avec quelle finesse et quelle précision ce Netzer a tiré ce coup franc. Il a vraiment une touche de balle exceptionnelle. Minutes de jeu, toujours 0 à 0 ici à Berlin entre le Borussia de Mönchengladbach, champion d'Allemagne, et l'Inter de Milan, champion d'Italie. Les Allemands dominent, c'est incontestable depuis le début de la rencontre. Les Italiens ont eu une occasion de but par Facchetti en début de match, mais depuis ils sont acculés sur leur but, ils en ont l'habitude, ils s'y attendaient d'ailleurs. Ils ont eu de la chance là, d'abord sur le penalty et sur cette tête de Lefebvre qui a frappé la barre transversale, début de Bordon. Fock. Lefebvre. Lefebvre qui est surveillé de très près par Bellocchi. Boninsegna. Encore sifflé. La deuxième contre-attaque de l'Inter. Cavalli n'est pas perdu. Mazzola. Qui joue au milieu du terrain, qui joue en retrait dans cette équipe de l'Inter qui organise le jeu. Contrée et reprise au-dessus. C'est une reprise de Boninsegna. Cliff va pouvoir dégager. Cliff qui est un jeune gardien, il n'a pas 25 ans, qui a déjà été sélectionné une fois, équipe d'Allemagne, et beaucoup de confrères spécialisés, confrères allemands, voire lui le digne successeur de Maier, Mazzola. Mazzola, un des meilleurs joueurs italiens depuis 5 ans. J'ai eu l'occasion de le voir jouer au Mexique, encore Mazzola. Bedin. Accrochage entre Wimmer et Riali. Coup franc tiré par Bedin ou Mazzola.
Paquetti, le plus grand joueur sur le terrain, 1m88, qui n'a pas eu de mal à reprendre cette balle de la tête. Et contre-attaque des Allemands, amorcée par Netzer. Mauvais contrôle de Wimmer qui permet à l'Inter de contre-attaquer. Déviation de Mazzola qui ne donne rien. Ah, léger accrochage. Monsieur Taylor était bien placé. Mais pas du goût du public. Coup franc pour l'Inter. 30 mètres des buts de Cliff. Coup franc tiré par Mazzola. Bonne tête de Müller, qui redonne d'ailleurs à Mazzola. Contre-attaque de Lefebvre, bien placé. Les Italiens se replient à toute vitesse. Lefebvre tire dans les bras de Bordon. À le jeune Bordon, qui n'a pas 21 ans, je crois vous l'avoir déjà dit. L'épreuve de beaucoup de sang-froid ce soir. Netzer, tire de Netzer, pied droit, et encore un plongeon fantastique de Bordon. Qui a enrayé à lui tout seul toutes les attaques de Mönchengladbach et qui s'est même permis d'arrêter un penalty, ce qui ne se voit pas tous les jours, surtout dans des matchs de cette importance. Wimmer, ah les Allemands se ruent à l'attaque, bon crochet de Wimmer, centre intercepté, reprise de volée manquée de Wimmer. Et c'est notre ami Lefebvre qui s'était mis hors jeu sur cette action. Qui va permettre à Bordon de dégager. Les joueurs italiens ne comprenaient pas ce que voulait M. Taylor. Ils ne se sont d'ailleurs pas posé la question, il bénéficie d'un coup franc et il le tire. Netzer. Mazzola. Les deux grands stratèges de ce match, Mazzola pour l'Inter et Netzer pour les Allemands. Encore Netzer. Conserve le contrôle du ballon et bousculé une nouvelle fois par Boninsegna cette fois. Voilà, Netzer se relève. Mazzola vient calmer ses troupes. Et le jeu peut reprendre. On joue depuis 27 minutes, toujours 0-0 et toujours le forcing effréné des champions d'Allemagne. Cette fois c'est Bellucci qui a retenu Lefebvre par le maillot. Gunther Netzer gagne quelques centimètres. Monsieur Taylor fait reculer. Oui, c'est de bonne guerre. Vous voyez comme Netzer est solidement accroché sur le sol. C'est 80 kg, une tête. La balle n'est pas perdue. Danner dessert pour Kulik. Et puis maintenant Müller. Netzer. Tire du pied gauche. Oh là là, qui frôle la barre transversale. Très bon contrôle du pied droit. C'est un grand joueur que ce Gunther Netzer. Avec Overa et Netzer, les Allemands possèdent sans doute un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ils le prouveront, j'en suis certain, au cours de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez eux d'ailleurs.
Encore un pied dangereux de Bolinsegna. Minutes de jeu, toujours 0-0, et bien sûr un score qui arrange parfaitement les Milanais qui gagnent du temps ici. La touche est jouée par Frustaluppi. Et monsieur Taylor demande à Sandro Mazzola de ne pas continuer à jouer ce jeu, car sinon ça ira mal. Car je la montre après 30 minutes de jeu, en retardant une touche, ça ne se fait pas. Toutes les précautions ont été prises ce soir pour que ce match se dispute dans de bonnes conditions et ne dégénère pas. Près de 1000 policiers ceinturent l'arène de Berlin. Et M. Taylor avait eu une longue conversation avec tous les joueurs et les deux capitaines dans les vestiaires avant la rencontre. Vous savez que la commission de discipline de l'Union Européenne de football est particulièrement sévère cette année, elle a raison d'ailleurs. Contre-attaque des Italiens. Taylor accorde le coup franc aux Allemands. Fock, aux prises avec Bolinsegna. Accrochage entre Facchetti, Mazzola et l'ailier allemand Kulik. Netzer dans le rond central. Longue enjambée, mais toujours Netzer. Non, l'arbitre l'a joué. Le tacle était parfaitement régulier. Et très sportivement, vous remarquez, Bellin aide Netzer à se relever. Ah, les Allemands essaient vraiment de passer de tous les côtés, à l'aile gauche, à l'aile droite, au centre. Lefebvre, prise avec Bellucci, touche pour l'équipe d'Allemagne. Netzer, déviation, et Netzer a été touché sur cette action. Légèrement, il semble souffrir de la cheville gauche. Contre-attaque italienne enrayée avec beaucoup d'autorité par Silov. C'est l'avancante Henkes qui a été bousculé par le demi-centre Giubertoni. Nouveau coup franc. Le capitaine de la formation allemande n'est pas content. Tiré sous coup franc. Ben, la FA toujours. 7 joueurs italiens dans les 16 mètres. C'est beaucoup. Toute l'équipe Borussia de Mönchengladbach est maintenant dans la partie italienne. Encore une faute. Encore une faute. Cette fois, c'est Berti Fox qui reste au sol. Ah, monsieur Taylor a du mal à se faire respecter. Et explication avec le joueur italien qui s'est montré particulièrement irrégulier sur cette action. Vous apercevez Bolinsegna et le numéro 7, Gio, qui volontairement ou pas, avait bousculé Fox. Volontairement d'ailleurs. Et cette fois, c'est l'arrière Ludwig Müller. On joue maintenant depuis 32 à 33 minutes. Les agressions commencent à se faire plus nombreuses. Monsieur Taylor a arrêté son chronomètre. Il est en grande discussion, vous le voyez, avec le capitaine Netzer, qui se plaint, il a raison. Car sur les 16 ou 17 coups francs que j'ai essayé de noter depuis le début de la rencontre,
une bonne dizaine étaient à l'actif, étaient provoqués par des irrégularités italiennes, il faut le reconnaître. Coup franc tiré par Netzer. Tête de Mazzola. Malinsegna redonne à Facchetti, très loin derrière. Et Facchetti tranquillement pour Borden, ce qui provoque bien entendu les sifflets des 100 000 spectateurs venus ce soir encourager les champions d'Allemagne. Une glissade de Wimmer qui profite à l'Inter, Malinsegna. La balle n'est pas perdue. C'est Oriali qui centre. L'action qui ne donne rien sinon un dégagement. Champion d'Allemagne. Contre-attaque amorcée par Wimmer. 35 minutes de jeu, toujours 0 à 0. Zioff. Encore lui. Cherche la meilleure solution, le partenaire démarqué. Balle un peu longue. Frustaluppi. Très bonne action italienne qui se développe dans un silence de cathédrale, troublé par quelques sifflets. C'est le premier corner de la partie pour les champions d'Italie. Et là aussi, les Italiens gagnent un peu de temps sur ce corner qui va être tiré par leur ailier Gio. Gio qui joua à Naples et qui fut transféré pour la somme record de 200 millions d'anciens francs il y a 3 ans. C'est un des meilleurs joueurs de l'Inter. Tête de Silof. Non. Et Frustaluppi manque complètement cette reprise. Frustaluppi. Vous voyez ici en gros plan. Qui est un des plus âgés. Ce soir sur le terrain, il a 31 ans. Danner, très bon ce joueur, ce jeune Danner, qui paraît chétif, mesure 1m72 pour 65 kg, mais il est très actif, voit très clair sur le terrain. Danner qui n'est pas sans nous rappeler le Hollandais Cruyff dans cette silhouette, sa façon d'attaquer. Wimmer. Danner. Vertifoc qui est partout, qui a manqué cette passe. Rien à faire, on ne passe pas. C'est vraiment un match de coupe que nous suivons ce soir. Match acharné. Le football pur et le spectacle emplâti, bien sûr. Mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose avec une équipe comme l'Inter et une équipe comme le Mönchengladbach. L'enjeu est important. Il s'agit de décrocher sa place en quart de finale. Et la Coupe d'Europe des clubs champions est une compétition très importante. La plus importante au niveau des clubs en Europe. Et l'Inter qui a remporté deux fois cette Coupe d'Europe voudrait bien se qualifier pour les quarts de finale. Centre de Fox. La reprise était manquée, mon Dieu. Reprise complètement manquée sur ce centre de Bertie Fox. Reprise complètement manquée de Henkes. 38 minutes de jeu, toujours en première mi-temps. 0 à 0, Danner. Non, Netzer était bien parti, mais la passe n'était pas assez précise. Accrochage entre Malinsegna sous les yeux de l'arbitre.
C'est Ludwig Müller qui a bousculé Boninsegna, qui ne gardera pas un bon souvenir de son passage à Berlin. Mais il s'y attendait lui aussi. Boninsegna essayait de combiner avec son camarade Bellin. Encore un accrochage entre Facchetti et le demi-centre Bonhof. Et c'est un coup franc pour l'équipe de l'Inter, bien placé, une vingtaine de mètres des buts de Cliff. Toute l'équipe des Mönchengladbach fait le mur ou presque à trois éléments près. Tir de Boninsegna du gauche, contré. Nouveau tir. C'est un tir lointain de Bellin. Bien arrêté par Cliff. Et la machine allemande repart. Lefebvre a le duel que se livrent Bellucci et Lefebvre depuis le début de la rencontre. Est particulièrement sévère. C'est une touche et non pas un coup franc. Danner, non, mauvaise passe. Qui va permettre aux joueurs de l'Inter de contre-attaquer. Frustaluppi. À la limite des 16 mètres, c'est une bonne balle qui était destinée à Bellin. Bellin accroché par Wimmer. Coup franc. Bien placé pour l'équipe italienne qui va être tirée par Frustaluppi à 17 mètres en biais. Facchetti arrivé à toute vitesse. Mazzola aux prises avec Fock. Mazzola. La balle était sortie. Touche pour les champions d'Allemagne. Voilà qui est fait contre-attaque de Silo. Minutes de jeu, on joue maintenant les 5 dernières minutes de cette rencontre, de cette première mi-temps. Et toujours 0-0. Fock en position d'ailier droit. Un bon crochet dans les 16 mètres. Tir contré. Oh là là, flottement dans la défense italienne, encore un contre, et une bousculade. C'est l'avant-centre Henkens qui a été bousculé cette fois. L'arbitre n'a rien dit, c'est donc une touche jouée par Bonhof. Lefebvre dessert pour son capitaine Netzer qui laisse passer pour Silov. Tir de Silov contré. Mazzola. Rien à faire, ça ne passe pas. Les Allemands sont dangereux, ils font le forcing vraiment depuis le début de la rencontre, mais rien à faire. Danner. Müller. Bonne technique ce Müller, comme tous les joueurs de l'équipe de Borussia. Müller, attaqué par Boninsegna, croise avec son capitaine Netzer. Longue balle un peu trop longue. Qui sort, qui était destiné à Kulik. 2 minutes 30 avant la fin de cette première mi-temps et toujours 0-0. La défense italienne tient bon et le jeune gardien Bordon, vous l'avez constaté, fait ce soir un très grand match. Lefebvre. Lefebvre va-t-il pouvoir centrer? Bellucci toujours là. Évite la sortie, toujours Lefebvre. Cherche un camarade pour l'aider. Centre. Bellucci. Kulik, Lefebvre. Et contre-attaque
par Fausta Lupi. Valinsegna. Pour son camarade Gio. Touche allemande. Non, touche italienne. Joué par Bedin. Nouvelle touche. Tout cela arrange bien sûr Mazzola et ses camarades. Toujours 0-0, je vous rappelle, 4-2 pour l'équipe de l'Inter. Et il y a 3 semaines à Milan. Forte aux prises avec Mazzola. Deux grands joueurs de la Coupe du Monde que vous avez vu souvent sur votre écran lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique. Forte qui a beaucoup travaillé au cours de cette première mi-temps, comme la part de ses camarades d'ailleurs. Centre ici. Lefebvre. Et dégagement très athlétique. Une extrémiste de la défense de l'Inter. Et deux joueurs restent au sol. Les dernières secondes de cette première mi-temps, mon chronomètre, on joue depuis 45 minutes, il y a eu quelques arrêts de jeu. Beaucoup de coups de sifflet de M. Taylor au cours de cette première mi-temps, qui va vraisemblablement se terminer sur le score de 0-0. Wimmer. Kulik, Fox, Netzer, Zilov, Danner, Lefebvre, non, Danner continue, dans les 16 mètres, et 3 joueurs sur lui, c'est trop. Ah, les Italiens jouent groupés, vous pensez, bien qu'ils ne vont pas prendre de risques ce soir. Netzer. Et la muraille de l'Inter a renvoyé une nouvelle fois. Dans quelques secondes, M. Taylor va siffler la fin de cette première mi-temps. Pour de laquelle il aurait eu beaucoup de travail, il a beaucoup sifflé, M. Taylor, ce soir. Mais en tout cas, il a bien tenu les équipes, car cette rencontre est importante. Henkens, qu'on a assez peu vu, le numéro 9 avant-centre de Borussia depuis le début de la rencontre. Netzer, qui est un peu plus discret depuis quelques minutes, surveillé de très près lui aussi et qui boite légèrement. Netzer, avec son camarade Vogt, avait été touché au cours du match joué à Milan. C'est sa rentrée ce soir ici à Berlin. Il est peut-être à court de compétition, en tout cas il a fort bien distribué le jeu pendant une demi-heure. Fausta Lupi. Sans doute la dernière attaque allemande de cette première mi-temps, Günther Netzer. Tout joué par Silov. Vous voyez sur le chronomètre de la télévision allemande, 47 minutes, compte tenu bien sûr des arrêts de jeu. Vogt va-t-il tirer de loin? Belle attaque des Allemands, Vogt! Ah, que c'est dommage! Vogt s'était légèrement bousculé au moment de tirer. Et ça commence là où? Ah, c'est dommage, Paquetti! Accrochage là, entre un joueur allemand et les défenseurs de l'Inter. Il s'agissait de Wimmer. Je
vous l'ai dit, c'est la troisième rencontre en moins de deux mois. La première, vous en connaissez le résultat, la deuxième a été nettement accrochée. C'est un délicat contentieux que règlent ce soir ces deux équipes à Berlin. Jusqu'à maintenant, ça s'est pas trop mal passé. Il ne faudrait pas que le match dégénère, mais enfin l'arbitre anglais, M. Taylor, fait lui ce soir un très bon match également. Et espérons que les joueurs vont se calmer. Ils vont d'ailleurs en avoir le temps pendant la mi-temps, qui devrait déjà être sifflée. Danner. Netzer. Cherche la meilleure solution, le camarade le mieux placé, c'est une balle beaucoup trop longue. Et c'est la mi-temps sifflée par M. Taylor sur le score de 0 à 0. Nous allons conserver l'antenne pendant les 12 minutes de cette mi-temps, pendant que les joueurs vont reprendre des forces. Et je vais en profiter pour interroger quelques invités. Nous aurons tout à l'heure au téléphone Pietro Martellini, le commentateur de la RAI. Nous allons suivre la rentrée des joueurs au vestiaire. Avant ces séries d'interviews, Maiefo Staloupi, Bedin, vous avez perçu Mazzola, M. Taylor, assisté de ses deux juges de ligne, le jeune gardien Bordone. Et c'est Bernie Fox qui va fermer la marche. Les Allemands sont sans doute assez déçus. Mazzola, lui, que vous apercevez ici, le capitaine de l'Inter, est sans doute très satisfait. Et Bernie Fox, que vous aviez vu au Mexique, est le dernier joueur de l'équipe championne d'Allemagne à rentrer au vestiaire. J'ai à mes côtés mon excellent confrère Robert Verne de l'équipe qui suit pour son journal avec Jean Cornu cette rencontre de Coupe d'Europe. Robert, quelle est votre impression? Vous avez vu, je suppose, très souvent jouer l'Inter et aussi le Borussia Mönchengladbach. Est-ce que ces deux équipes jouent un ton au-dessous? Est-ce qu'elles sont contractées? Et surtout, est-ce que le résultat vous paraît normal à la mi-temps? Absolument pas, absolument pas. Je n'ai pas suivi le match avec à vos côtés, comme vous le savez. Mais j'étais un peu surpris par vos commentaires de fin de match, je dirais votre mansuétude. Parce qu'il y a quand même une équipe qui cherche à jouer au football et une équipe qui cherche essentiellement à détruire ce que fait l'autre. Je n'ai pas besoin de vous les nommer. Et vous avez bien vu, et les Italiens l'ont vu bien avant vous et moi, et que c'est Netzer, la grande vedette, la plaque tournante, l'homme de base de Mönchengladbach. Et Netzer a été victime d'une bonne douzaine de fautes évidentes. Ouais, alors je crois qu'au-dessus de ce match qui est très passionnant en tant que spectateur, on est en train de vivre une ambiance tout à fait extraordinaire et je commence à être un vétéran de la Coupe d'Europe et j'en ai rarement vu d'aussi prenante. Eh bien je suis extrêmement déçu en tant qu'amateur de football de voir le spectacle des fautes répétées et dont la répétition même me fait penser que les Italiens, m'autorise à penser que les Italiens l'ont mis à la hauteur d'une institution, oui. Ou si vous voulez, d'une tactique. Et c'est essentiellement ça que je regrette. Vous pensez bien que je suis ni anti-italien, ni anti-allemand. Je suis pro-football, et c'est à cause de cette idée fondamentale que j'ai du football, et surtout que cette idée qui est partagée par des milliers, et ce soir des millions de footballeurs qui sont téléspectateurs, je crois que cela m'autorise à formuler ces réserves. Eh bien, vous savez, Robert, moi je ne suis pas tout à fait étonné par l'attitude des Italiens, car j'en attendais pas moins d'eux, c'est regrettable, mais j'ai été voir Mazzola avant le début de la rencontre, il m'a dit clairement, nous ne ferons rien pour attaquer, nous sommes venus pour défendre. Mais ça, voyez-vous, c'est un autre débat, c'est oui. Tout à fait le droit des Italiens, oui. De toute équipe. Je le regrette également, comme de nombreux téléspectateurs sans doute. Bien sûr, on peut avoir une déception, si vous voulez, sur le plan, le fond du jeu. Mais là, je me place, si vous voulez, du point de vue de la morale. Ah, oui. Et du point de vue de l'avenir de notre sport, c'est tout à fait absolument. Une autre dimension. Et voyez-vous, un homme comme Mazzola fait partie des rares joueurs italiens qui, lui, ne donne pas un coup. C'est un très grand joueur, comme par hasard, il en reçoit d'ailleurs, beaucoup moins que son confrère en talent, qui est Netzer. Ce qui est regrettable, c'est qu'on sait que lorsqu'ils le veulent, les Italiens sont capables de jouer autrement. Mais bien sûr, c'est... Ils ont du talent. Ils ont beaucoup de talent et ça reste une très très bonne équipe, et même une grande équipe, encore l'Inter. Ils manœuvré avec beaucoup d'intelligence. Encore une fois, je voudrais qu'on établisse bien le distinguo entre l'aspect moral, c'est-à-dire les fautes beaucoup trop nombreuses et systématiquement répétées des Italiens, et la qualité de leur jeu, c'est tout à fait une autre chose. Absolument.
Parlons de Borussia Mönchengladbach. Les Allemands ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils se sont rués à l'attaque pendant 45 minutes. Ils ont eu des occasions de but. Ils ont manqué un pénalty. C'est peut-être le tournant du match. Oui, vous avez remarqué, comme moi, que l'arbitre, M. Taylor, qui n'a pas été mauvais, et qui aurait pu être meilleur, plus sévère, a eu un geste, il a coupé l'élan, la course d'élan du tireur. Et ça, voyez-vous, c'était très grave. C'est un peu comme lorsqu'on rate une mayonnaise ou qu'on lance une crêpe en deux temps. On la rate généralement. Enfin, je pense que Silov avait quand même raté son pénalty, non? Ou Bordon a eu de la chance. Vous savez qu'on peut toujours créer l'histoire si la tempête n'était pas arrivée. Enfin, si les Allemands avaient, bien sûr, avec des 6, ils avaient réussi ce pénalty, ils ont une bonne occasion avec Lefebvre qui, dans la tête, heurte la barre transversale. Oui, je crois que Netzer joue trop en retrait parce qu'il a du génie, ce garçon. Il a du génie. Et son génie, s'il s'exerçait plus près des buts italiens, il me semble que ceci serait davantage en danger. Bien, vous connaissez bien sûr comment le résultat de l'autre match qui a eu lieu à Milan, 4-2, ce sera, je crois, très difficile pour les Allemands en deuxième mi-temps. Oui, mais tout est encore possible parce que c'est un match qui ne ressemble pas à un autre. Et il y a une dépense d'énergie, il y a surtout une dépense d'un flux nerveux de la part des Italiens qui sont quand même dominés, harassés, et ils peuvent craquer, c'est pas ce que je leur souhaite, mais ils peuvent craquer dans le dernier quart d'heure ou les 20 dernières minutes. Vous savez, il n'y a pas de pari encore à faire. Bien, Robert, parlons un petit peu de ces quarts de finale de la Coupe d'Europe, car nous connaîtrons ce soir le dernier qualifié pour les quarts de finale. Je vois sous mes yeux une liste avec le Standard de Liège, Ajax d'Amsterdam, Feyenoord de Rotterdam, le Celtic de Glasgow, Arsenal, Benfica et Youpest, l'équipe hongroise. Vous avez vu jouer sans doute certaines de ces équipes. Je pense que nous aurons des quarts de finale assez sensationnels. Oui, certainement. Je crois que la première observation à faire, c'est que l'Europe occidentale est très largement représentée, puisqu'elle aura 7 représentants sur 8. D'une part, et d'autre part, dans cet Occident, c'est le Nord qui domine avec les deux Hollandais, le Belge, l'Anglais et l'Écossais. Donc la vérité nous vient du Nord-Ouest actuellement, comme souvent les vents à cette époque. Bien, dernier mot, bien sûr, de nombreux téléspectateurs regrettent sans doute qu'il n'y ait pas sur cette liste un club français. Vous pensez que c'est pour l'année prochaine? Je pense bien sûr à l'Olympique de Marseille. On peut toujours espérer. Ce que j'ai regretté dans l'Olympique de Marseille, c'est que, vous savez, il y a toujours une courbe de forme ou de méforme parmi toutes les équipes du monde. Et l'Olympique de Marseille était certainement au moment de sa moins bonne forme lorsqu'il a affronté Ajax. Il est très vraisemblable que les Marseillais ne se seraient pas qualifiés de toute façon, car Ajax est plus fort, il faut bien le dire. Mais c'est quand même dommage que nos représentants n'aient pas donné la mesure exacte de ce que je crois être leur possibilité. Robert, je vous remercie infiniment de ce petit tour d'horizon. Je vais maintenant avoir le plaisir d'avoir à mes côtés mon camarade Martellini, le commentateur de la RAI, le commentateur italien, qui lui doit être satisfait. Il a rendu l'antenne pendant ce quart d'heure à son pays, il va la reprendre dans une dizaine de minutes. Alors rapidement, que pensez-vous? Vous êtes satisfait? Je crois que l'Inter a passé les moments les plus difficiles du match. J'avais peur de la défense de l'Inter, qui maintenant n'est pas son repère meilleur. La défense a bien joué. C'était le repère meilleur de l'Inter dans la première mi-temps. J'avais peur des jeunes, et les jeunes ont bien joué. Le gardien était très bon. Le gardien qui a 20 ans, Oriali, Bellucci, tous les jeunes ont joué mieux que les vieux. Mon excellent confrère Robert Venn, qui était à mes côtés il y a un instant, regrettait, lui, avec pas mal d'amertume, certaines irrégularités de la part des joueurs italiens. Qu'en pensez-vous? Non, pas d'irrégularités. C'est qu'il est impossible de voir de bon football entre Borussia et Inter, bien qu'il joue pour toute la prochaine année. C'est ça. Parce que la rivalité, les intérêts, les polémiques sont désormais plus grands que le jeu. Il sera impossible de voir du bon jeu. Je pense maintenant que les grands travaux, comme les boxeurs, non, comme on dit, le travail au corps, maintenant fait une Inter fatiguée. Mais si le match va comme il va maintenant, je crois que l'Inter peut réussir à passer. Et que pensez-vous de l'équipe allemande? L'équipe allemande est à demi entre l'équipe merveilleuse que j'ai vue à Mönchengladbach dans les premiers matchs et les mauvaises équipes que j'ai vues à Milan. Et une chose demi. Mais comme j'ai vu dans les premiers mi-temps,
et une équipe qui n'est pas aussi plus fort que l'Inter pour gagner les deux bouts qu'il manque pour se qualifier. Bien, je vous pose franchement la question. Répondez-moi honnêtement, Martellini. Vous avez eu l'occasion de commenter, bien sûr, ce match entre Mönchengladbach, le premier match de l'Inter de Milan. Est-ce que vous pensez que le Mönchengladbach méritait ce succès aussi large de 7-1? Ou autre question, est-ce que vous pensez que les Italiens méritaient ce soir-là d'être battus très sévèrement? Ce soir-là? Oui. Non, je crois que le match de Mönchengladbach fut régulier. Oui. Oui, les sept bouts, oui, de l'Inter sont dus pas à l'atmosphère, à l'excitement du moment, oui, mais seulement à la journée terriblement mauvaise, oui, du gardien de Bouvieri. Il était malade, il était mis dans l'abus également, et oui. Mais je ne crois, sincèrement, honnêtement, oui, je ne crois que les Allemands méritaient cette victoire. Non, je crois qu'ils l'ont gagné avec toute honnêteté, oui, je crois seulement. Et peut-être qu'ils ont beaucoup de bouts, certes, mais pas pour irrégularité. Seulement parce que l'Inter n'était pas en condition d'avoir les mêmes. Bien, je vous remercie infiniment de me répondre très franchement. Pas de vous. Bien, parlons en deux mots du championnat italien. Je crois qu'il y a un club qui marche bien cette année, c'est la Juventus. Oui. Avec des jeunes. Oui, oui. Je crois que la Juventus va gagner le championnat d'Italie. Et je crois que la Juventus a une équipe qui peut durer 5 années comme ça. Merci beaucoup. Bon. Je vous laisse repartir car la deuxième mi-temps va commencer. Oui, oui. Votre spectateur français, bon travail. Merci beaucoup. Car votre spectateur vous attend. Je vous remercie infiniment. Vous avez vu revenir des vestiaires en gros plan tous les joueurs de ce match. Sandro Mazzola. Il était tout de même intéressant d'avoir l'opinion de notre confrère de la RAI, Martellini, qui lui a trouvé que le premier match était déroulé dans des conditions parfaitement régulières. C'était intéressant. Je vous rappelle qu'au cours de ce premier match, les Italiens avaient été véritablement balayés en caissant 7 buts. Ce match a été annulé et rejoué ce soir car Boninsegna avait été blessé. Et là aussi on peut penser que la commission de discipline de l'Union Européenne de Football n'a pas eu tout à fait tort, car il est tout de même inadmissible qu'un joueur soit blessé et reçoive une bouteille de bière dans un stade de football. Il avait été blessé, Boninsegna évacué. La base virale VPS a été mise à jour. Il est par la suite et Corso, qui avait eu un geste déplacé envers l'arbitre, a été suspendu, lui, pour toute la durée de la saison, si concerne les matchs internationaux. Deuxième mi-temps. Les champions d'Allemagne jouent à gauche. Et comme au cours de la première mi-temps, les Allemands vont se ruer à l'attaque, ils vont tout faire jusqu'à la fin. Attention à cette contre-attaque de Boninsegna. Bon arrêt de Cliff. La première attaque dangereuse de cette deuxième mi-temps est au bénéfice de l'Inter grâce à Boninsegna. Netzer. Bonhof. Pas de changement, ce sont les 22 acteurs de la première mi-temps qui évoluent maintenant sous vos yeux. Ainsi, un changement dans l'équipe allemande, c'est Wittkamp qui vient de rentrer. Wittkamp. Et un nouvel accrochage. C'est Taylor en discussion avec Mazzola. Je pense que c'est Kulik, le numéro 7, qui a dû sortir. Et comme bousculade. Ah, c'est une empoignade vraiment sévère à laquelle nous assistons ce soir. Facchetti. 61 sélections. Le record en Italie. Tête Boninsegna et Netzer. Pour Wimmer.
Balle qui ne donne rien. Deux minutes de jeu. Rappel toujours 0 à 0 et pour l'instant, Mazzola et ses camarades sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais tout est encore possible. Les Allemands se battront jusqu'au bout. C'est Danner, le numéro 6, qui n'est pas sur le terrain. C'est Danner qui a donc été remplacé par Whitcomb. Dans l'équipe de Mönchengladbach. Whitcomb qui joue il y a quelques années, il y a deux ans, à Schalke 04, actuellement leader du championnat d'Allemagne, il a 24 ans. Whitcomb, prise avec Rustalupi. Un tir qui n'inquiète pas Bordon. Bon, Insegna laisse passer pour Mazzola. Attaqué par Fox. Mazzola garde le contrôle du ballon. Très grand joueur, Sandro Mazzola. Beaucoup de calme, beaucoup d'expérience. Facchetti. Prise avec Lefebvre. Boninsegna, Facchetti. Tir de Facchetti. Bon arrêt de Cliff. Vous voyez comme Facchetti vient très souvent épauler ses attaquants. En première mi-temps déjà, il s'est montré très dangereux à plusieurs reprises. Zilov, Henkels, Vogt, Wimmer. Wimmer, un dégagement très athlétique de Bellucci. Minutes de jeu en seconde mi-temps. Kulik pour Fox aux prises avec Mazzola. Bonhof. Bonhof. Contre-attaque. Italienne, Facchetti. Bernie Fox. Wimmer. Attaqué dans le dos. Netzer. Avertissement pour Bedin. Montré parfaitement irrégulier sur cette action. Troisième corner, Mönchengladbach tiré par Kulik. Dégagement du coin de Bordon. Boninsegna. Contre-attaque. Attention, c'est très dangereux. Tubertoni. Boninsegna. Netzer. Netzer. Seehoff.
Tire. Gordon repousse du coin. Tire très tendu, très appuyé. Centre retourné. Netzer, 16 mètres, tire. Gordon avait plongé. Le tir a été détourné par la défense italienne. Corner tiré par Kulik. Dégagement du point de Gordon. Netzer remet dans les 16 mètres de la tête. Jenkins. Ah, les tacs sont d'une violence. Plusieurs se jettent sur la balle, vraiment. Avec une vigueur. Secondes de jeu en deuxième mi-temps, 53 minutes et 30 secondes depuis le début de la rencontre, et toujours 0-0. La défense de l'Inter, toujours groupée, plie mais ne rompt pas, ne cède pas, malgré les nombreux coups de boutoir de Borussia, de Mönchengladbach, Vogt, Netzer, Wimmer, Netzer, Wimmer encore. Était attaqué par Oriali. Le dégagement de Gordon. Les Italiens font preuve d'un sang-froid, d'une solidité à toute épreuve. Garde la balle, gagne du temps. Ça n'est pas très spectaculaire. Mais je vous le répète, il s'agit de se qualifier pour les quarts de finale avec tout ce que ça entraîne. Non seulement sur le plan sportif, mais sur le plan financier également. N'oublions pas que nous avons affaire à deux équipes professionnelles. Kulik. Un tir de Seelhoff qui a frôlé vraiment les buts de Gordon, et je crois que Gordon a touché la balle. Oui, Gordon a touché la balle. C'est un corner, le quatrième depuis le début de la rencontre pour les Allemands. Corner est tiré par Kulik. Ah, sur les corners, les malheureux attaquants allemands sont surveillés de très près, serrés de très près par 8, sinon 9 joueurs de l'Inter. Netzer, longue ouverture pour Kulik. C'est bien joué, quelle précision, une passe de 30 mètres. Rien à faire. Rien à faire. C'est une muraille cette défense de l'Inter. Très content. Ce soir, devant son poste de télévision, il voit ses anciens élèves faire front et tenir en appliquant un système de jeu qu'il a toujours préconisé, qui est d'ailleurs très discutable, mais qui est en tout cas efficace. Encore une action dangereuse là pour Cliff. Netzer. Berti Vogt. Kulik. Les attaquants allemands ont tout essayé ce soir. Ils ont essayé de tirer de loin, de passer par les ailes, de passer par le centre. Rien à faire. Wurnik, Cioriani, Giubertoni, Facchetti, Bellucci, Frustatulpi, ils sont tous là. Mais la oh là là, juste au-dessus, c'est des buts de tête de Wittkamp qui est un peu surpris par Burnic qui avait sauté avant lui. Le solide Burnic, le vétéran, qui joue libéraux, c'est-à-dire qu'il joue derrière son rideau défensif.
et qui a 33 ans est encore là et bien là. Il protège parfaitement son jeune gardien Bordone qui n'a que 20 ans. Bordone qui se sent en sécurité, protégé par ce joueur d'expérience qui est Burnić, participa à plusieurs Coupes du Monde et qui fait preuve beaucoup de sang-froid. Lefebvre, prise avec Bellucci. Cinquième corner, 5-1 en ce qui concerne les corners. Un seul corner pour l'Inter et 5, le cinquième ici pour Mönchengladbach. Tout le stade de Berlin maintenant vibre et encourage longuement son équipe favorite. Corner tiré par Netzer. Mazzola qui est venu contre-attaque de l'Inter, amorcé par Gio. Change d'aile pour Facchetti. Et la balle sort. Près d'un quart d'heure de jeu. 60 minutes depuis le début de la rencontre. Et les Allemands ne trouvent toujours pas la faille. Henkens, l'avant-centre. Netzer, tout cela fort bien. Burnić toujours là de la tête, tranquillement. A écarté le danger. Silov. Tire. Et bel arrêt de Bordone. Encore la vague allemande qui déferle sur la défense italienne. Qui contre-attaque maintenant par son numéro 8, Bedin. Boninsegna, qui n'aura pas touché beaucoup de balles ce soir. Mais il se sera fait tout de même remarquer, car il est sifflé régulièrement depuis le début de la rencontre. Boninsegna, qui est un très bon joueur, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions ce soir. Mais il est lui aussi serré de très très près. Il y a pas mal de règlements de compte dans ce match depuis le début de la rencontre, là. Il y a en tout cas des duels dans le match qui sont très durs, très sévères. Il y a Lefebvre qui est surveillé par Bellucci. Il y a Bedin qui surveille Netzer. Kulik aux prises avec Facchetti. Bon centre. Ne donne rien. Ce n'est pas un corner, c'est une remise en 6 mètres. Toujours 0-0, c'est un score qui arrange les affaires de M. Invernizzi, qui est l'entraîneur de l'Inter de Milan, qui entraîna pendant de nombreuses années les juniors de l'Inter. Il y a d'ailleurs pas mal de juniors dans ce club, des anciens juniors, qui sont là ce soir. Invernizzi qui succéda à Heriberto Herrera, qui lui-même avait succédé à Elenio Herrera. Fox, il aura beaucoup couru Fox ce soir. Et au dernier moment, Mazzola a écarté le danger, a empêché Fox de centrer. Sixième corner pour Mönchengladbach. Tiré par le jeune Lukic qui joue à Aix-la-Chapelle avant d'être titulaire à part entière à l'aile droite de l'équipe championne d'Allemagne. Le voici, Kulik. 23 ans. Belle sortie de Bordone. Allez, les Italiens auraient été territorialement dominés pendant près d'une heure. Ils ont eu 3 contre-attaques depuis le début de la rencontre. Ils ont été dominés, mais quelle organisation en défense, c'est vraiment inimaginable. Ce n'est pas bien sûr le système de jeu des Brésiliens, c'est des équipes sud-américaines. Et ça permet, vous le voyez, quand c'est bien fait, de ne pas encaisser de but. C'était Netzer
qui a raté la cage d'un rien là, sur ce coup franc tiré de l'intérieur du pied, franc bien brossé. Delzer est découragé. Il y a de quoi. Car dominer à ce point sans pouvoir marquer, c'est assez déprimant. Là, cette équipe de l'Inter, si elle se qualifie ce soir pour les quarts de finale, fera souffrir bien les clubs et je suis persuadé que tous les joueurs appartenant aux équipes qualifiées pour les quarts de finale regardent ce match ce soir à la télévision. Accrochage. Et c'est alors les jouets. Lefebvre, bousculé encore par Melucci. Alors je crois que monsieur Taylor là devrait expulser. Il y a un petit jeu. Car vraiment les Italiens ont plus des réactions à la limite de la régularité. Melucci a fauché littéralement son adversaire. Dégagement de Bordone. Fox. Silov de très loin. Attention, c'est dangereux. Un joueur allemand bousculé. Qui est sur le point de pénalty. Comment voulez-vous trouver une ouverture dans un rideau de joueurs pareil? Toute l'équipe de l'Inter dans les 16 mètres. Et le kick se bat avec un courage extraordinaire. Netzer, Silov, tir de Silov, contré, Mazzola. Rien à faire. Les joueurs allemands disposent maintenant de 25 minutes pour renverser la situation, pour marquer les deux buts qu'ils doivent absolument marquer pour se qualifier. Müller, Kulik, Netzer, Netzer qui cherche la solution idéale, Fox. Dans les 16 mètres, Fox qui aura joué vraiment en pointe pendant tout le match. Frustalupi, Mazzola. Grand technicien Mazzola. Très belle balle. C'est fort bien joué. Bon, Insegna aux prises avec Müller. Un contre Netzer. Rien à faire. Quelle organisation défensive. On peut se demander comment cette équipe de l'Inter de Milan a encaissé il y a deux mois 7 buts devant cette équipe de Mönchengladbach. Il a fallu vraiment que son gardien Vieri, qui n'est pas là ce soir, qui a été remplacé par Bordone, ne soit pas dans un bon jour. Car il paraît vraiment invraisemblable quand on voit une défense pareille encaisser 7 buts. Netzer. Bordone. Dégagement du point. La balle n'est pas perdue. Et c'est un coup franc pour l'équipe italienne, car Heynckes a une réaction un peu trop brutale, en tout cas irrégulière. C'est en tout cas ce que semble dire M. Taylor. Oui, c'est Bordone qui était légèrement touché. Ce n'est pas grave. Et Burnić. Quel contrôle de la poitrine à De Mazzola. Netzer. Heidkampf. Netzer. Silov. Silov qui va peut-être tenter sa chance de loin. Silov toujours. Non, préfère donner à Lefebvre qui dessert pour son capitaine Netzer. Fox. Mazzola. Kulik. Tire. Au-dessus.
Je suppose que bon nombre d'internationaux français qui sont réunis ce soir à Saint-Malo en stage avant le match contre la Bulgarie regardent ce match. Je pense qu'ils en tireront des enseignements utiles. Fox. Bernie Fox. Dribble Mazzola qui revient. Dégagement de Bellucci. Silov, Netzer, Silov qui joua il y a quelques années à Stuttgart. Gilbert Gress qui doit sûrement regarder ce match à Marseille lui aussi. Connaît, j'en suis persuadé, très bien ce Silov. Je suis champion d'Allemagne d'ailleurs, Silov. Bousculade. Abonin Sina n'aura pas touché beaucoup de balles ce soir. Kulik. Whitcomb abattu devant M. Taylor. Fox. Ah, Fox, comme tous ses camarades, se sera battu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Les Allemands n'auront rien à se reprocher ce soir, ils ont vraiment tout fait. Vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi le meilleur buteur du championnat italien ne marque qu'une vingtaine de buts par an. Lefebvre. Échappe à Bellucci, centre du pied gauche. C'est Facchetti. Fox. Silov, pardon. Rien à faire. Un remplaçant dans l'équipe de l'Inter qui se prépare. Il s'agit de Pellizzaro qui s'échauffe. Pellizzaro est un attaquant. Netzer. Bel arrêt de Whitcomb. Henkens a essayé de donner à Whitcomb, mais Burnic était là. Encore un tir lointain. Fox. Ordon. Quel calme de la part des Italiens qui sont vraiment pressés sur leur but. Boninsegna. Qui a essayé d'échapper à ses trois gardes du corps. Mazzola. Boninsegna, oui, qui a attaqué son adversaire. Franchement, avec l'épaule, c'est un coup franc. Oui, c'est bien Pellizzaro qui va rentrer. Whitcomb. Moins de 20 minutes à jouer. Facchetti. Gio hors-jeu. Hors-jeu signalé. Pellizzaro va en profiter pour entrer. Et c'est le jeune Gio, l'ailier, qui va sortir. Merci.
Silov. Müller. Encore Silov. Netzer. Bousculé. Bon Insegna. Mazzola. Mazzola. Contre favorable, Mazzola. Tire du pied gauche. Croise trop son tir, il a été d'ailleurs touché. Légèrement touché en tirant. Voilà qui n'est pas grave. Mazzola reprend sa place. Non mais il y avait une faute de Bellucci sur Lefebvre. Bellucci n'a pas quitté Lefebvre une seconde depuis le début de la rencontre. Bien placé ce coup franc. Netzer. Le coup franc va être rejoué car un joueur italien, en l'occurrence Bedin, n'était pas à distance réglementaire, il a gêné Netzer. Regardez la frappe de balle de Netzer. Il a une pointure extraordinaire du 47. Pellizzaro. Boninsegna. Voilà qui est dangereux car la défense allemande est un peu dégarnie. Il semble complètement manqué de Bedin. Attaque de Silo pour Netzer. Bon contrôle de Netzer. Voilà qui est dangereux. Netzer. Crochet. C'était l'heure de jouer. Lefebvre. Corner. Septième corner. Sept corners à un. Et la trajectoire de la balle quand c'est Netzer qui tire et une tête de Zilov qui passe au-dessus de la cage de Bourdon. Cette équipe de Borussia de Mönchengladbach, vous ne la connaissiez peut-être pas jusqu'à ce soir. C'est une équipe qui a accédé à la première division allemande il y a 2 ans seulement. Elle avait fort bien réussi d'ailleurs, puisque la première année, pour sa première année dans l'équipe de première division allemande, elle a remporté le titre. C'est une petite ville de Westphalie, Mönchengladbach, de 100 000 habitants seulement, mais vous voyez, avec une grande équipe, un tout petit stade, 25 000 personnes seulement peuvent entrer dans ce stade. Et c'est une équipe, vous voyez, très solide, qui s'est permis pour sa première année en division allemande de battre le Bayern de Munich, de lui prendre son titre. Elle est actuellement troisième. Troisième du championnat après 16 journées. C'est Schalke 04 qui est en tête devant le Bayern de Munich. En ce qui concerne le championnat italien, c'est la Juventus qui est en tête avec le Milan AC, à égalité de points, 11 points, devant Rome, Torino. L'Inter est en cinquième avec 9 points. L'Inter qui a rétrogradé depuis sa défaite samedi dernier devant le Milan AC. 3 buts à 2. Netzer. Henkens, bousculé. Que de coups francs. Plus de 32-33 coups francs depuis le début de la rencontre. Et j'ai l'impression d'avoir laissé passer. Il y en a au moins 35. Avertissement. Voilà.
Combien de fois nous avons vu Netzer dans cette position, à 16-17 mètres du but, tirer un coup franc, faisant des signes à ses partenaires de bien se démarquer. Mais comment voulez-vous bien vous démarquer quand vous êtes serré de si près? Bordon. Seeloff. Mauvaise passe qui va profiter à Boninsegna. Hier, dans cette équipe de l'Inter, 4 ou 5 joueurs très expérimentés. Paquetti, Burnic, Benin, Boninsegna, Mazzola, et puis il y a quelques jeunes. Une vingtaine d'années, comme Bordon, comme Jean Birtouni, comme Oriali. Et ça donne, vous voyez, un bon résultat. Oh, quelle belle balle de Netzer. Bon crochet. Voilà peut-être le premier but. Alors là, M. Taylor, vous étiez mieux placé, bien sûr. Mais l'action était tout de même à l'intérieur des 16 mètres et volontaire de la part de l'Italien. Je sais bien qu'il est difficile de siffler deux pénalties dans un match de Coupe d'Europe. Mais je crois que sur cette action, le pénalty semblait, je dis bien semblait s'imposer. Encore une fois, nous sommes loin de l'action, mais les caméras sont souvent très près. Malheureusement pour les arbitres, ils ne disposent pas d'écran de télévision et de caméra. Ils peuvent juger les actions, bien sûr, mais après le match. Kulik. Encore un dégagement de Frustaloupi. Fox. Comme tous ses camarades, il a beaucoup couru, Fox. Les Allemands se sont battus avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup d'application. Netzer, Fox. Intervention de l'arbitre bien involontaire. Encore un accrochage. Rinkamp et Mazzola. Les joueurs commencent à être sérieusement fatigués. On se fait à moins. C'est une véritable bataille que nous avons suivi ce soir. Netzer. Oh, quelle belle ouverture. Quelle belle ouverture. Netzer pour Seeloff. Heinkens, bonne déviation. Wimmer. Encore bousculé. Seeloff. Netzer. Tir de Netzer du gauche. Encore le capitaine de Mönchengladbach et l'international allemand. Il aura donné des balles extraordinaires à ses partenaires. Oh là là, Wittkampf. Mais Wimmer avait manqué la reprise juste avant lui. 37 minutes de jeu en seconde mi-temps. Reste moins de 8 minutes à jouer. Bordon manquait son dégagement. Nouveau corner. Le huitième corner. Huitième corner. Netzer, la première faute de Netzer, mais il se rattrape bien, il a de la chance. Il a manqué son tir du gauche, il a rattrapé du pied droit. Les joueurs de classe ont aussi de la chance. Boninsegna.
Mazzola. Bustalupi, on gagne du temps maintenant. On le fait franchement. 7 minutes de jeu avant la fin de ce match du 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour l'instant, l'Inter est qualifié. Bon, c'était un tir très dangereux. De Bellin. Voyez comment s'accroche une explication entre Pellizzaro et Fock sous vos yeux. Et ce sont les Italiens qui se montrent les plus dangereux en fin de match. Ah, les Allemands sont maintenant découragés, ils vont encore tout faire. Silov, on s'accroche par le maillot. Wickham, Silov, Kulik, aux prises avec Facchetti. Les immenses jambes de Facchetti qui concèdent le 9e corner. Ah, les Italiens sont passés maîtres dans l'art de défendre leur but. Ils sont 7 ou 8 à 3 mètres de leur gardien Bordon. Voilà l'occasion, voilà le but donc. Encore une balle détournée. Et c'est Wickham qui avait tiré. Un joueur italien reste au sol. Mais depuis les incidents du premier match, depuis la blessure de Boninsegna, le public allemand ne s'y laisse pas prendre et le public siffle à chaque fois qu'un joueur italien est au sol. À 0, les 5 dernières minutes de cette rencontre. Lefebvre qui aura fait un très bon match lui aussi. Et encore un plongeon de Bordon sur une reprise de Wickham. C'est un match sensationnel, le jeune Bordon. Une balle perdue par Zilov. Ah, je crois que les Italiens n'encaisseront pas de but ce soir. Il reste encore 5 minutes. Mais quand leur défense a cédé, rares occasions, c'est le gardien Bordon qui a fait des miracles. Alors, il était bien difficile de battre l'Inter ce soir. Kulik. Rien à faire. Et c'est Mazzola, le courageux capitaine de l'Inter, qui vient défendre devant son gardien Bordon. Fock. Rien à faire. 10e corner. La balle a été touchée au passage. 10e corner contre un seul à l'Inter. Ces deux chiffres résument à eux seuls ce que fut ce match. 10 corners contre un seul et un score de 0-0. Non, cette fois ça n'est pas corner. En tout cas, M. Taylor demande une remise de 6 mètres. Le joueur italien reste au sol. De crampe, moins que ce ne soit un coup de violence, c'est Aureliani, le jeune défenseur. Reste 3 minutes à jouer. Deux minutes maintenant, l'Inter sera probablement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
reste 2 minutes aux Allemands pour marquer 2 buts. Ça paraît maintenant impossible. Et les règlements de compte se succèdent. L'Inter de Milan, vainqueur en 64 de la Coupe d'Europe, et vainqueur en 63 également. L'Inter a vieilli, mais a su renouveler tout de même son équipe, et sa défense a été intraitable ce soir, comme elle l'était à l'époque du grand Herrera. En 64, l'Inter avait battu, vous en souvenez sans doute, le Real. En 63, c'était Benfica qui avait été battu en finale. 2 coupes intercontinentales contre Independiente en 64 à 69, c'est un beau palmarès. Sacchetti, Burnic, Mazzola sont toujours là. La dernière occasion. Et oui, Burnic, Mazzola. Facchetti sont toujours là, Corso, Bertini était absent ce soir, il y avait aussi un absent de Mars et Jair qui est blessé, qui a été opéré du ménisque il y a quelques jours. Vous voyez que l'Inter a encore de belles années. La dernière minute maintenant, Mazzola, Netzer, les dernières cartouches allemandes. Bonne Insegna aux prises avec Ludwig Müller. Müller qui joua jadis à Nuremberg. Qui se sera battu lui aussi. Avec beaucoup de courage. Un choc violent entre ce plan résume un peu ce que fut ce match. Une bagarre terrible. Où les deux équipes se sont livrées à fond, se sont engagées avec beaucoup d'énergie. Les chocs ont été parfois très rugueux, souvent irréguliers. C'est dommage. Nous aurions aimé, vous auriez aimé voir des buts ce soir. Les deux joueurs sont KO là-bas. Müller pour Mönchengladbach. Et Boninsegna pour l'Inter. Les arrêts de jeu, Mazzola discute avec M. Taylor. Les dernières minutes, toutes dernières minutes de ce match. Je pense que ce choc est assez sérieux car les infirmiers se précipitent avec une civière. Les deux joueurs se sont heurtés violemment en disputant une balle qui roulait en touche. Je crois que c'est le joueur allemand puisque j'aperçois à gauche Boninsegna qui se relève. L'entraîneur de l'équipe allemande, Weiss Weller. Se précipite côté de son joueur, tous les photographes sont là. Les 250 journalistes et les 18 téléreporteurs qui étaient là ce soir, sans doute un petit peu déçus par ce match. Floca va faire son entrée pour remplacer Müller. L'équipe de Borussia Mönchengladbach va terminer ce match à 11. Cette équipe aura lutté jusqu'au bout avec beaucoup de courage. Elle aurait largement mérité se qualifier. Alors c'est une équipe solide qui a fait honneur à son titre de champion d'Allemagne, mais il n'y avait rien à faire ce soir. 4-2, c'est un score difficile à remonter, ça n'était pas impossible, mais l'Inter a fait un très grand match en défense, il ne faut pas ne pas le reconnaître, même si son jeu a fait que ce match n'a pas été aussi spectaculaire qu'on l'aurait souhaité. Football italien, est-ce qu'il est ou il s'est bloqué? C'est un football défensif. Je vous disais tout à l'heure que le meilleur buteur italien ne marque pas plus de 20 buts dans la saison. Nestor Comin vous le disait récemment au cours de Télésport, lorsqu'il fut le deuxième buteur italien en 68, alors qu'on évacue maintenant Müller, et il avait marqué 15 buts, et Prati avait été le meilleur cette année-là avec 19 buts. Müller est évacué. La blessure est apparemment sérieuse. Les champions d'Allemagne auront vraiment eu tous les malheurs ce soir. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont manqué un penalty. Ils ont dominé territorialement.
à outrance pendant plus d'une heure. Ils n'ont pas réussi à remonter son handicap de 2 buts. Et un de leurs meilleurs joueurs, Ludwig Müller, qui avait été 6 fois sélectionné dans l'équipe d'Allemagne, qui a 30 ans, qui joue à Nuremberg, club avec lequel il fut champion d'Allemagne en 68, Müller, quitte maintenant le terrain sur une civière, blessé à la jambe. Blessé à la jambe gauche. Ça a l'air très sérieux. Les Allemands commencent à quitter le stade de Berlin. Les dernières secondes de cette rencontre. On s'attendait à assister à un combat très serré ce soir. Eh bien, ce match a tenu ses promesses, il a été houleux. Les contacts ont été très violents, trop violents parfois. Borussia de Mönchengladbach disparaît donc de la Coupe d'Europe. Regardez bien ces joueurs pendant les dernières minutes de cette rencontre. Vous reverrez Fox, le numéro 2. Vous reverrez aussi Netzer. Vous les reverrez lors de la prochaine Coupe du Monde, car ce sont 2 titulaires à part entière dans l'équipe d'Allemagne. Netzer, le capitaine, qui aura le ballon du match, c'est une consolation. Voilà donc la fin de ce match, un peu décevant. Monsieur Weissmuller, le visage fermé, va rentrer au vestiaire. L'entraîneur de l'équipe du Borussia de Gladbach, de Mönchengladbach, est très déçu, bien sûr. Son équipe méritait mieux. Les Allemands ont en tout cas fait une très bonne partie ce soir, ils n'ont pas eu de chance. Les Italiens ont fait le match qu'ils devaient faire. Ils ont tenu en défense, et quand une équipe italienne tient, vous avez vu ce que cela donne. Un rideau défensif bien organisé. Molinsegna rentre avec Fusaluppi. Nous allons suivre les jeux rentrant en vestiaire. Fox assez découragé. L'Inter de Milan rejoint donc le Standard de Liège, l'Ajax d'Amsterdam, Feyenoord de Rotterdam, le Celtic de Glasgow, Arsenal, Benfica de Lisbonne et Juventus, le club hongrois, champion de Hongrie. Voilà ce que seront ces quarts de finale qui seront tirés prochainement. Je suppose que les attaquants de tous ces clubs que je viens de citer ont regardé avec beaucoup d'intérêt ce soir à la télévision l'équipe de l'Inter, car cette équipe fera encore parler d'elle. Elle est si bien organisée sur le plan défensif qu'elle est capable de battre n'importe quelle équipe. Elle a été championne d'Europe, je vous l'ai dit, à 2 reprises, ça n'est pas par hasard. Mazzola rentre, c'est sur ces images que je vous rends l'antenne. Je vous donne maintenant rendez-vous samedi prochain pour un autre match qui nous intéressera cette fois de plus près, puisqu'il opposera la Bulgarie à la France. Ce sera le dernier match de la Coupe d'Europe des Nations qui aura lieu à Sofia. Match pour l'honneur, mais match intéressant tout de même pour nous. C'était un reportage de la télévision allemande, retransmis en direct depuis le stade de Berlin, qui était plein à craquer, le stade de Berlin qui fut le théâtre des exploits de Jesse Owens en 1936 et qui a accueilli ce soir 100 000 Allemands venus encourager le champion d'Allemagne qui a été éliminé définitivement de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous remercie de votre aimable attention. Ici Berlin, à vous Paris.